Salut. Salut. C'est toi, Beauvoir du 17? Capucine. Ok, Capucine. Moi, c'est Badass du 38. Mais on m'appelle Paul. Voici Marley du 22. Martin. Enchanté. Et Domino. Alias. Domino. Il y a de la place dans le coffre, mais dis ton barda, c'est à toi. Pas dans le coffre, hein, dans la bagnole. Bon, j'espère que vous aimez la chanson. C'est vachement sympa comme idée, le camping sauvage, en dernière instance. Rencontrer des gens, partir en forêt. Tu fais ça souvent? Tous les week-ends. C'est cool, man. Tu trouves? Bah ouais, j'envisagerais ça plus souvent, tu vois. T'es sérieux? Ouais, mec.
Tu sais, Martin, si je fais ça tous les week-ends, c'est pas parce que j'apprécie les gens. Au contraire. La plupart du temps, je tombe sur des citadins très cons et surtout très attachés à leur petit confort qui se mettent très vite à emmerder les autres lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. Ok. Ce pourquoi j'ai tendance à y boycotter ce genre de site ordinairement. Mais bon, tout le monde n'est pas férus autant que moi et pour faire ça tous les week-ends, faut en connaître du monde. Carrément, mec. Je prends mes précautions quand même. Poster des annonces très discrètes en vue de brancher le moins de monde possible. Étudier les profils, se rencarder sur les gens. Pas mener l'enquête, hein. Non. Je suis pas comme ça. Tu sais, tu chopes 2-3 Facebook, tu visites les murs, tu mates les photos, et tu causes avec les gens même. Rien qu'avec ça, t'en apprends un max. Ouais. Et mais... après, t'avises. Ouais, non, mais je vois, mec. Alors surtout, ne jamais poster une annonce deux fois sous le même pseudo et sur le même site. Pourquoi ? De temps en temps, manque de peau. Tu tombes sur des types relous qui ont passé toute la sortie à te casser les burnes, mais avec une gravité insolente, et qui reviennent te causer tout gentiment comme si ça s'était super bien passé. Ouais, non, mais c'est grave chiant, ça. T'as pas idée. Je te dis ça parce que je t'aime bien. J'ai beau pas encore te connaître. Je t'aime bien. C'est cool, mec. C'est vraiment cool. Je suis de ton avis. Tu fumes ? Ouais. J'en ai. Formidable. Y'a plus de réseau! Ça, chérie, début des emmerdes. Pas un bouseux à 30 km à la ronde. Pas d'électricité. Pas de route. Pas de réseau. Le campement idéal. Ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Oh, rien. Ce que de bourgeoise qui parle toute seule. C'est pourquoi tout ce matériel ? Couper du bois.
allumer un feu et faire griller la bouffe. Et t'as besoin de tout ça? Bah, c'est-à-dire que je pense pas que je vais y aller tout seul. Alors ouais. Je vois. On va mettre la main à la pâte. Il y a des chances, ouais. Pas de souci avec ça. Jamais. Commence très bien ce week-end. Mec, t'es adorable, mais le coup du bonhomme qui décapsule sa bière pour la pucelle te rend en admiration devant ta testostérone. C'est bon pour l'eau de poule, mais moi... C'est juste une bière. Ouais, on sait très bien comment ça commence, et comment c'est supposé finir, selon une mythologie machiste des rapports intersexuels définis par les codes du postmodernisme américain. C'est juste une bière. Je bois pas. Et en plus, j'ai pas soif. Bon, les gens, c'est pas tout, mais c'est merguez. Tu veux manger maintenant? Non, mais ce qu'il veut dire, la nuit va bientôt tomber. Et nous, on va se les plaire. Si on fait pas flamber la viande. Par flamber la viande, il entend réchauffer nos chairs autour d'un bon feu. C'est une métaphore. Non, pas du tout. Ah bon? Non, par flamber la viande, j'entends faire griller la bouffe parce que j'ai faim. Et oui, j'entends satisfaire mes papilles autant que mon estomac maintenant et sans plus tarder. La formule vous sied-elle, monseigneur? Formidable. Monsieur le marquis est bien bon. Nous aussi on doit venir? Ouais, tout le monde s'y colle. Et pourquoi? Et pourquoi pas? C'est vrai ça, messieurs. Le bois pour le feu, c'est un boulot de mâle. Tu peux pas la refaire en bombant la poitrine et en pull pour les lèvres, qu'on puisse pas la faire plus cliché? Navre, ma belle, j'ai que du vernis. Pardonnez-moi, mesdames. Non pas que le fait de vous admirer en train d'échanger des politesses ne nous déplaise. Oh, ça non. Mais que diriez-vous de mettre toute cette animosité à profit en allant chercher du bois? Hein? Y'a des voitures dans la forêt? Y'a une autoroute pas loin.
C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que c'est? Ah merde! Ah c'est dégueu! Putain! Trop cliché le coup de la gerbe! Ah mais c'est quoi? Je sais pas. Un troll des montagnes peut-être? Je déconne, crétin, c'est un klebs. Ou plutôt ce qu'il en reste. Pourquoi t'as une carotte, toi? C'est toi le troll des montagnes. Elle est l'autre moitié. Parle pas à la bouche pleine, toi. Chérie, retourne à la tente à débarbouiller, tu veux? Puis toi, rends-toi utile. Ah ouais? Et comment? Ferme ta gueule. Il est où, Paul? Tout seul? C'est un bonhomme. Il peut se débrouiller tout seul. Ouais, sauf que si vous voulez manger, bah c'est lui qui fait les merguez, quoi. Capucine? J'ai pas faim. Ça va, c'est que moi! Mec, tu m'as foutu les jetons! Je te demande pardon!
forêt est flippante. T'es sûr que ça va ? Ça va, ça va. Dans 2 secondes, je suis debout. Alors ça, c'était cliché comme réplique. Courez ! Paul, attends-nous ! Barbuck, ça se voit pas? Mais les deux autres sont morts et toi tu grilles tes merguez! Ben techniquement non. Non? Ben, y'a pas de feu. Pourquoi t'as une hache? Ben pour couper du bois. Mais on pourrait s'en servir pour se défendre! De quoi? Ah merde! Putain, j'ai des... J'en veux plus. Bon, le moment lâcher prise, petite chose, on y est presque. Wow. Wow. Wow, 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 wow. À quoi tu joues, là? Mec, j'ai rien contre toi. Enfin, si, mais disons que j'ai un instinct de survie assez développé et je réfléchis très vite en situation de crise. J'en ai rarement vécu des semblables à celle-là, mais bref. Tu vas lâcher ce couteau. Justement, non! Je t'explique. Tu connais le cinéma. T'as déjà vu des films d'horreur, des slasher movies. Tu sais comment ça fonctionne. Une multitude de macabées pour un seul et unique survivant. Je vois très bien, ouais, mais là, je vois pas. Eh bien, figure-toi que depuis quelques années, le survivant est généralement une survivante. C'est Sigourney Weaver dans Alien, Jessica Biel dans Chainsaw, et il y en a plein des comme ça. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Supposons qu'il faille un survivant. Un seul. Si tu fais l'impasse sur un code déjà dépassé visant à obligatoirement épargner une femme,
pour étendre la popularité de ce genre de film à un public féminin. Pourquoi devrais-tu nécessairement t'en sortir au détriment des autres? Eh bien, si l'on fait l'impasse sur ce détail, il n'en reste pas moins les personnages autour de la survivante. Le premier à crever, c'est toujours le mec sympa, un peu maladroit dans ce qu'il fait, et s'il n'est pas maladroit, il est un peu mou. Toujours un geek ou un hippie. Vient ensuite la bimbo cruche qui gueule et qui gerbe de façon instantanée dès qu'il se passe quelque chose d'un peu flippant ou dégueulasse. Elle n'attire pas la sympathie du spectateur qui se marre plus qu'autre chose en la voyant crever. Sa disparition n'en constitue pas moins un choc émotionnel intense pour la brute de décoffrage qui, de toute évidence, passe tout le long du film à essayer de se la taper et qui la regarde se faire bouffer au moment où il est sur le point de conclure. Ça, c'est toi, le badass, le grand balèze un peu con, promis être le seul survivant dès que les choses se mettent à merder. Il mène les autres jusqu'à les mettre en sécurité et n'hésite pas à se sacrifier volontiers pour celui, celle ou ceux qui restent. Et ce, dans un grand élan d'héroïsme, sur une musique de fond du genre Brother in Arms. Ceci dit, je devine à ta tête que tu n'as pas envisagé cette option honorable. Ben, disons que les choses perdent de leur charme énoncé de la sorte, alors non, plus maintenant tout du moins. Qu'importe, tu es le mec qui en dit l'histoire, tu crèves. T'es censé être la maligne de l'histoire. C'est ça. T'as pourtant pas pensé à tout. Non. Non? Oublie ce que j'ai dit. Ça rime à rien comme finale. Tu trouves? Bah ouais quoi, franchement. Tu vas pas hacher une femme. Non. Hey. Bien dormi? Comme un bébé. On va pas tarder. Carrément un bon plan, ce hippie. Sa dos est grave bonne. J'en aurais presque des remords. Putain. Ah, putain. Ah. Ça y est, j'ai des remords. T'es sérieux? Autant elle, c'était une garce finie. Tiens d'ailleurs, j'ai entendu ce que tu lui as fait cette nuit, mais je l'ai vu que ce matin. Beau travail, Frangine. Rien ne vaut une bonne vieille batte de baseball. Ouais. Autant lui, il était vraiment... Mais alors vraiment sympa. Sérieux, je m'en veux quand même. Si ça peut te consoler, il a pas souffert. Qu'est-ce que t'en sais au juste ?
Je l'ai vu dans ses yeux. J'étais devant lui, je te rappelle. Vrai. Ouais, autant pour moi. Ouais, ouais. Autant pour toi, ouais. Le sang sur le vernis pas sec. Je te le ferai payer. Oh, t'abuses. Et le coup du chien, c'était pas abusé, peut-être? Quoi, le chien? Qu'est-ce qu'il a, le chien? Mais c'était dégueulasse! Oh, tes conneries! Non, non, non. On avait dit pas les animaux. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon. Mon zèle a pris le pas sur ma mansuétude. Mille excuses. Mille excuses. T'es contente? Putain! Moi, tu vois, j'aurais adoré ce week-end si j'étais pas restée un tantinet sur ma faim. Comment ça? Bah, des orgies comme celle-ci, on en fait qu'une seule fois par semaine. Et à chaque fois, on peut pas faire durer le fun parce que... Bah parce qu'il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, au final. Je sais que t'aimes pas trop l'affluence, mais bon, moi j'aimerais bien. Bah voyons. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tâchera de viser plus large à l'avenir, voilà. C'est vrai? Je m'en occupe maintenant, si tu veux. Oh, t'es un amour de frangin. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez. Ouais, bonhomme, barbecue la semaine prochaine. Aïe, amène les cousines, gros. Finalement, tuer, c'est mieux que de griller des merguez. Thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. The neighborhood was changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes with him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, the old lines drawn again. Things didn't matter anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night. It took her to the outskirts. He pledged his love to her. They thought it was their secret, but someone knew where they were. He held her so close. He asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. I thought all that blood had
to die.